Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la définition d'une pop-up. La pop-up se traduit par l'apparition non souhaitée par l'internaute d'une fenêtre secondaire qui émerge au-dessus de la fenêtre principale. Les pop-up sont utilisés en grande majorité pour promouvoir une offre, un produit ou un service, mais peut-être aussi utilisés à des fins informationnelles. Par exemple, lorsque vous naviguez sur une boutique en ligne, il est possible de voir surgir une fenêtre qui vous dit « Pour 60 euros d'achat, vous pouvez bénéficier de moins 15% sur votre prochaine commande et qu'il ne faut plus attendre. » Et presque comme tout le monde, vous essayez de trouver la petite croix en haut à droite de la fenêtre pour pouvoir continuer ce que vous étiez en train de faire à la base, hormis si l'offre vous intéresse bien entendu. Faites attention tout de même avec l'utilisation des pop-up qui sont souvent perçus comme intrusifs dans l'expérience de navigation de l'utilisateur. Si tout est clair, alors je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode des définitions du web.